Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white trunks with black trim. His official weight, 148.4 pounds. Il a 36 victoires, 29 par KO, et un verdict nul en 43 combats. With a professional record consisting of 36 victories, 29 coming by way of knockout, and one draw in 43 bouts. Accueillant de Mexico, from Mexico City, Mikel Lozada. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche ornée de rouge et de vert. Et pèse 148,5 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears white trunks. With red and green trim, his official weight, 148.5 pounds. Il a 27 victoires, 5 par KO, en 31 combats. With a professional record consisting of 27 victories, 5 coming by way of knockout in 31 bouts, de Brooklyn, New York. He is from Brooklyn, New York, USA. Accueillons le champion mondial des super légers de la IBF 2007-2008, former IBF super lightweight champion of the world, Paulie the Magic Man, Malignaggi. We've talked before the fight. I want clean fight. Obey my command at all time and protect yourself at all time. Touch love and good luck. On le disait que Malignaggi était très coloré. On l'a vu, on le voit ici avec Mikel Lozada, deux bonhommes de 148 livres. Portée plus importante pour Malignaggi. Plus de portée, plus de rapidité peut-être. Oui, effectivement, c'est la carte de visite de Malignaggi. Très rapide, avait remporté le championnat amateur, lui aussi, des États-Unis en 2001. Et au lieu d'attendre la possibilité d'aller aux Jeux olympiques 2004, elle était tournée professionnelle tout de suite après. De quelle manière il serait capable de placer son attaque ce soir contre Mikel Lozada, qui nous arrive lui de Mexico City. Autant Malignaggi peut user de rapidité et décontenancer ses adversaires, ouais. Autant il n'est pas un boxeur qui est puissant. Sur ses 27 victoires, il a seulement 5 victoires par knockout et c'est rare qu'il va ébranler ses adversaires parce qu'il n'a pas cette décharge électrique-là dans ses points. Ouais. Et Lozada, tout de suite, tu peux remarquer, là, on parle de quelqu'un qui n'a pas cette rapidité-là. Mais Lozada a un bon petit coup de poing. Il peut être surprenant si on lui ouvre la porte. Là, on s'est échangé des jabs en plein visage de façon simultanée. Jean-Guy Brousseau, un arbitre de la ville de Québec. C'est intéressant pour lui. Là, il est dans sa ville. Il a été très impliqué au niveau de la boxe olympique pendant des années. Et là, maintenant, ça fait déjà quelques années qu'il arbitre au niveau professionnel. Mais un élément majeur oui. Pour le développement de la boxe des jeunes boxeurs à Québec, Jean-Guy Brousseau. On croise régulièrement. Un passionné. Ah, écoute. Il mange la boxe. Beau job de Malignaggi ici. Change de coup. Deux boxeurs qui ont réussi à se toucher. Malignaggi qui est très flamboyant dans son attitude aussi, dans son habillement. Et tu sais, des fois, quand on voit un boxeur comme ça, c'est avec ses bottines à pompons, on sait tout de suite que c'est un styliste, que c'est pas un bagarreur. C'est souvent une marque de commerce. Ah oui, ça vient avec le gars. Les bottines à pompons, généralement, t'as les semelles devant. C'est pas les mêmes, toi, hein? C'est pas celle-là, toi? Non. Non, OK. Il est bien identifié au niveau de son origine aussi, avec ses couleurs. Ah, ben, écoute, ça ne ment pas. On a reproché un léger coup de poing derrière la tête. Oh, qu'on encourage Lozada dans son coin.
On voudrait qu'il soit plus actif. Là. On ne veut pas qu'il laisse filer les rounds. On lui demande de réagir plus rapidement. Oui. Le Zada qui se plaignait encore d'un coup derrière la tête. Malinadji qui disait non, 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 c'est sur le côté de la tête. Moins de 10 secondes à faire au premier round. Une rare attaque de Lozada qui a vu Malinadji dominer ce premier engagement. C'était un des premiers grands rendez-vous de boxe qu'on avait eu ici à Québec avec Bouté il y a de cela quelques lunes et ça avait été réussi. On a vu qu'on donnait le premier round à Malinadji. 19. Le deuxième est commencé maintenant. On a parlé de Brian McGee. C'est pas. On a vu les rumeurs de Brian McGee, champion d'Europe, qui viendrait boxer contre Lucien Bouté au mois de mars. On y va avoir une conférence de presse le 3 lundi. Et c'est ce qui ressort des rumeurs. J'ai toujours hâte de revoir boxer les bons boxeurs de chez nous. Là. Oui, c'est lui niveau en boxe maintenant. Il a pris la relève d'Éric Lucas là, chez Interbox, puis il supporte beaucoup les gens, il intéresse les gens à la boxe. Et c'est tellement gentilhomme aussi. C'est bien, bien intégré dans la communauté. Bel ambassadeur, en tout cas. Oui. Lucian Bouté est arrivé ici en 2003 parlant seulement le roumain. Aujourd'hui, il parle très bien le français. En plus, il commence à parler anglais. Et tout le monde, à l'image d'Éric Lucas, tout le monde aime bien l'avoir dans son entourage, tellement un bonhomme gentil. Un chic type qui a réussi à aller chercher le cœur des amateurs de la ville de Québec avec sa performance qu'il a livrée ici. Moins de 2 minutes à faire au deuxième round entre Lozada et Malinadji. Malinadji qui semble plus actif. Mais Lozada a porté de bons coups dans ce deuxième round. Malinadji qui frappe, qui bouge, qui frappe, qui bouge. Et à cause de sa rapidité, son jeu de pied, se met en sécurité presque tout le temps. Donc, Malinadji qui s'avance, frappe des deux mains, la gauche, la droite. Lozada a reculé. L'entraîneur de Lozada qui était très près de nous, là, qui est presque coude à coude avec nous, qui encourage son boxeur. Une minute à faire maintenant. Jean-Guy Brousseau qui a demandé aux deux boxeurs de casser l'action pour mieux reprendre. Oh, que Lozada est prévisible. Ses coups sont larges. C'est facile pour Malinadji avec ses petits coups, lui, de tenir son adversaire loin et en déséquilibre. Jab. Dans un petit coup au corps ensuite. Jab au corps. Main gauche de la part de Malinadji en plein visage. Ça a stoppé une attaque de Lozada qui l'amène dans les câbles et qui perd un pied qui glisse devant nous. Perte d'équilibre. Malinadji est tellement mobile. Lozada tente de le cerner, mais n'a pas cette mobilité-là. Perd son adversaire de vue aussi. Donc, ça va être compliqué pour lui. Ça va prendre un coup chanceux là, pour atteindre Malinadji solidement et lui couper les jambes. Donc, en fin de deuxième round. Ce soir à Québec et qu'on est privilégié de pouvoir le vivre avec vous. Plein de gens qui voulaient assister à cet affrontement incroyable entre Jean-Pascal et Bernard Hopkins. Quand on parle de Georges Chevalot, on parle d'un gars qui était tout un encaisseur. C'était pas le meilleur boxeur, mais était capable de prendre une claque. C'était difficile à terrasser. Mâchoire d'acier. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ça. Non, pas du tout. Faut pas acheter ça à la quincaillerie. Ton espagnol est meilleur que le mien parce que. Ben. Je suis bien placé pour l'entendre, à tout le moins, mais là, on veut qu'il réagisse parce que là, Malinadji, ça sent tout seul. Ouais. À quelques reprises, Lozada tente le grand coup, mais c'est facile pour Malinadji. C'est un boxeur illusif, talentueux. Donc. On a deux boxeurs comme complètement différents. Un qui est très, très actif, qui bouge et qui veut frapper alors que l'autre attend. Et l'autre qui est très lent pour cette division de poids-là. Donc, et regarde qu'il est craintif aussi parce qu'il a manqué quelques pouces là, pour son jab. Ouais. Donc, quand tu ne veux pas te mettre le nez dans le trafic, c'est ce qui arrive, c'est que tu ne touches pas. Exactement. Il
un coup du côté de Lozada, ça n'a pas porté. Charge de Malinaggi. L'arbitre Jean-Guy Brousseau qui a demandé à Lozada de ne pas retenir. Et Malinaggi, comme on le connaît bien, met son gant dans le visage à Lozada. Prend l'avance dans le round, accumule les points, accumule les rounds. Bonne main arrière ici. Lozada est en mouvement de retrait, ça fait moins mal. Belle combinaison courte de Malinaggi qui se paye la tête. Ouais. Beaucoup corps. Il a bien fait. C'est pour ça que c'est un peu bas, mais Malinaggi est content, il l'a donné quand même. Là. On y va beaucoup sur la motivation dans le coin de Lozada, mais ouais, on n'a pas de réponse. Pas. On n'a pas de réponse. Oh non, non. Le téléphone sonne, il n'y a personne qui répond. 30 secondes à faire au troisième. Et Malinaggi qui augmente la cadence maintenant. Ça sent un peu tout seul là-dedans. Donc, il va avec des coups plus solides. C'est vrai qu'il ne va pas en ralentissant. Le rythme a augmenté un peu. Deux secondes à faire au troisième. Dernière charge de Malinaggi. Lozada évite. Ici, Lozada qui fait un petit mouvement. Ouais. Et petit mouvement sournois. Et il évite l'affrontement. Ouais. Il lui a peut-être fait mal au corps un peu sur le dernier coup. Magic Man, qui aimerait bien, lui, là, aller chercher un knockout à sa fiche. Il n'arrive pas très souvent dans sa carrière. Donc, il va sûrement augmenter la cadence. C'est exactement ce qu'il fait. Malinaggi qui n'a pas le one knockout punch, mais qui peut saouler ses adversaires de coups grâce à sa rapidité. On l'a vu y aller avec des doubles jabs, rapide, la main droite qui suivait. Il déplace bien, hein, Malinaggi. Oh, ouais, très rapide, rouge à gauche, à droite. Là. Oh, la main droite qui a essuyé le dessous du nez de Lozada. Ne croise pas les jambes, est toujours en équilibre, est capable de revenir en contre-attaque. Pour un boxeur pas plus puissant que lui dans la boxe professionnelle et d'avoir cette réussite-là, d'avoir été champion du monde et d'être très compétitif, ça prouve à quel point il est talentueux. Parce que Malinaggi a beaucoup de difficultés à se faire respecter dans les ligues majeures à cause de ce manque de puissance-là. Belle série de coups encore. Et on voit qu'il est pris ici dans ses coups. Jab régulièrement pour tenter de placer la droite par la suite. Et on voit que Lozada est mal habile. Et c'est certain que dans son cas, là, depuis le début du combat, ça cogne souvent à la porte. Là. Je parlais de la force de frappe de Malinaggi tantôt, depuis 2003, qu'il n'a pas réussi à passer. Oui, parce que là, justement, en n'étant pas plus puissant que ça, et là, en affrontant de très bons boxeurs, des boxeurs solides avec des bonnes fiches, mais là, c'est encore plus difficile pour lui d'aller chercher ce genre de knock-out, parce que les gars en ont vu d'autres, là, puis il fait pas peur à personne avec la puissance de ses coups. Autre charge à part de Malinaggi, il y a Lozada qui a tenté d'éviter. C'était bien, Malinaggi est en feu! T'as vu ça, les combinaisons au corps, toi? Oui. Rapide et précis. Moins d'une minute à faire au quatrième. Lozada qui évite encore une fois l'affrontement et qui tente de se sortir d'une zone d'inconfort. Il a même tourné le dos, imaginez, à Malinaggi. Et il frappe avec les yeux fermés, t'as vu? Ah oui, même son jab est lent, et même pas en ligne droite. Ouais, il le porte puis il ferme les yeux. Regarde, il tourne le dos encore. Belle combinaison. Gauche, droite, gauche de la part de Malinaggi. Il l'a amené dans les câbles et tout de suite, Lozada sort de là. Moins de 10 secondes à faire à ce round. On ne pousse pas vers le bas, M. Malinaggi. Conseil de Jean-Guy Brousseau. Et le round va se terminer de cette façon. 19 encore une fois, selon M. Gabi Mancini. Avantage net pour Paul Maliani. Malinaggi, on l'a dit, sa grande qualité, sa rapidité, son instinct. Et il s'est semé dedans.
coup au corps. Et pour se protéger, là, Zadak s'est écrasé littéralement sur Malinagi. Oh, beau petit crochet ici. Quand tu regardes la fiche de Lozada, Lozada a une belle fiche, 36 victoires, 6 défaites, 29 victoires par knockout, tu regardes ça. Mais quand tu te mets à étudier ça, tu te rends compte qu'à chaque fois qu'il a affronté un bon boxeur, il a perdu. Et quand tu regardes ses victimes, ben, ses victimes avaient des fiches là, de très ordinaires. Belle meilleure de Malinagi. Ouais. Son meilleur coup de puissance depuis le début du combat. Et Lozada qui a voulu tout de suite revenir. Oh, encore une fois, une belle main droite qui a passé en plein milieu de la garde de Lozada. Pas l'air à l'aise, Lozada, du tout. Non, Lozada, comme j'ai dit, qui a une fiche un peu faussée par la qualité de ses adversaires. S'est donné beaucoup de combats faciles dans sa carrière et même où il est rendu, ça en donne encore à quelques reprises. Un bon promoteur, lui, là, pour lui donner ces opportunités-là. C'est bien sûr que Golden Boy Promotion, mais du fait que Paul Malinagi a perdu par knockout contre Amir Khan dans son dernier combat, là aussi, on veut ramener un peu comme Daniel Jacobs. On veut le ramener, on ne veut pas trop l'effrayer. Là. Avec les deux mains, Malinagi qui s'est amené sur son adversaire. Malinagi qui a le dessus de l'œil gauche enflé. Peut-être un coup qu'on a raté de Lozada. Lozada doit haïr ça. Parce que pour un boxeur, quand ça va trop vite en face de nous, là, c'est tellement décourageant, c'est épeurant. Quand c'est pas un rythme qui te va bien. Oui, exactement. Il était hâte que ça ralentisse, mais là, Malinagi ne montre aucun signe de ralentissement. Il ne veut rien savoir. La machine est en route. Oh, la main arrière solide sur le menton. C'était bien. Tout à fait. Bien lancé. Lozada a dos au corps, Benoît. Aïe, aïe, aïe. Quelle, vraiment, là, une place de victime. Tu ne veux pas te retrouver, là. Jab, jab. Malinagi qui avance encore sur son adversaire. La même dans les câbles. Il se plaint. Il se plaint encore d'un coup derrière la tête. Et tout de suite, l'arbitre a dit non. C'était parfait. C'était légal. Ah, Lozada, c'est un petit peu découragé, prévisible, des coussins. Et il frappe encore avec les yeux fermés. Il ferme les yeux quand il frappe. Moins vigoureux. Il n'a jamais été vraiment. Et même son entraîneur dans le coin est moins vigoureux. On l'entend moins là, depuis. Il a ralenti. C'est ton oreille de droite qui va compter. Il a ralenti. Beaucoup d'accrochage. Lozada n'a pas du tout de plaisir. C'est inné, c'est franchement. Ah, exactement. Il faut que tu aies un bon point de départ. Tu peux la développer, mais il faut que tu aies déjà cette qualité-là pour que ça vaille la peine d'investir énormément. Tout à fait, oui. Un autre round à l'avantage de Malinagi. C'est là M. Gabby Mancini. Et c'est reparti. Tout de suite, on a recherché l'affrontement. Autre glissade de Lozada. Mmh. Guy Brousseau qui a réagi très rapidement. Ouais. Pas de dommage, on repart. Regarde, mais il a dû encore se porter en attaque, en avançant tout le temps. Le visage aussi de Lozada à gauche, la joue commence à être des rougeurs. Il en a reçu quelques bons. Là. Et Malinagi qui, lui, a beaucoup de plaisir. Il ne sent pas le danger. Là. Ah non, lui, il est en plein contrôle de ce combat-là. Et on peut dire où on est rendu dans le déroulement du programme de boxe. Benoît, on peut annoncer à nos téléspectateurs que le prochain combat, ce sera le gros combat. C'est en train de m'annoncer ça, toi-là. Ouais. Je suis convaincu qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle le combat de réserve entre ces deux-là. Connaissant aussi, je sais que Lozada a enlevé son protège. Parce qu'il disait encore une fois, il a été frappé derrière la tête. Et M. Brousseau lui disait, oui, mais tu tournes ta tête. Et c'est ça qui arrive. Seulement de nous. De la misère avec ses culottes, de la misère avec un protecteur buccal. Il n'y a plus rien qui marche pour lui, là. On lui enlève un point, là. On l'avait averti de ne pas... La prise. Ouais, deux fois, il a pris Malinagi par le genou pour le soulever. Il y avait eu l'avertissement. Et il l'a refait, donc ça lui a coûté un point. Mais à ce moment-ci, un combat, un point de plus, un point de moins pour lui. Et là, Malinagi voit la possibilité là, d'aller chercher un knockout technique. Donc, il pousse, il rouvre la machine. Ouais. Et là, il met énormément d'énergie.
Lozada qui tente d'éviter des coups. Et Lozada, lui, qui d'une certaine façon le provoque. Donc, ça donne une idée un peu de la puissance de Malinagi quand le boxeur continue comme ça, sans trop de problèmes. 35 secondes à absorber les meilleurs coups de Malinagi. Je crois qu'il se défend un peu, sinon, ça pourrait mal aller pour lui. Il a eu longtemps la garde très basse alors qu'il avait le dos au câble. Et là, il saigne du nez. Malinagi qui va le voir encore. Et voilà, et c'est terminé. Jean-Guy Brousseau qui arrête là, maintenant. Et je pense que c'est une sage décision parce que... Ouais, le protecteur buccal est encore à terre. Il n'était pas capable de suivre le rythme. Et il se défendait pas. Non, il se défendait pas. Alors, victoire pour Paul Malinagi ici à Québec ce soir. Et sage décision. Il a livré un bon combat, et effectivement, dans le coin de Lozada, on avait assez vu. Ouais. On a vu que notre boxeur, ben, il n'attendait pas plus que ça de se battre ce soir. Et finalement, ben, quand c'était pas les coups derrière la tête qui se plaignaient, ben, il soulevait son adversaire par le genou. Ouais, c'est ça, c'est en train de dégénérer. Là, donc, c'est une bonne décision de Jean-Guy Brousseau. Là, que, il y avait un déséquilibre de force évident depuis le début et ça s'est accentué depuis quelques minutes. Alors, la décision officielle maintenant avec Christian Gauthier pour la victoire de Paul Malinagi. Mesdames et messieurs, l'arbitre Jean-Guy Brousseau arrête le combat à 2 minutes 33 secondes du sixième round. Ladies and gentlemen, referee Jean-Guy Brousseau stops this bout at 2 minutes and 33 seconds of the sixth round. The winner by TKO, le gagnant par KO technique, Paulie the Magic Man, Malinagi. Belle victoire pour Paul Malinagi ici ce soir à Québec, la vieille capitale qui vit un événement grandiose. Et on l'a beaucoup dit avec Bernard tantôt. Pour Québec, c'est important que de présenter des événements à grand déploiement. Et que dire de la vitrine que ça offre également à cette magnifique ville. Ville qui a d'énormes charmes. Et on la découvre à l'instant.